Oula, attendez, j'ai un cheveu gay. Écrire un dossier qui va s'appeler CRC. Voilà, comme ça, CRC. Faites attention, je vais vraiment faire cette dernière. Du coup, dans d'autres plugins, vous pouvez voir des fichiers ressources. Donc, les fichiers ressources, c'est souvent pour mettre une configuration. La configuration, c'est ce qui apparaît dans votre serveur. Donc, quand vous allez dans les fields, vous allez voir plugin et plugin data pour changer autre data ou d'autres exemples. Vous avez un plugin pour changer vos KB, et ben du coup, vous allez simplement avoir un dossier pour changer les KB via la config.html. Donc, le fichier ressources, ça sert ça. Malheureusement, aujourd'hui, ça sert un petit peu à rien de faire ça parce que vous pouvez directement changer à partir du fichier main. Du coup, vous allez créer un nouveau dossier, vous allez mettre un dossier et vous allez le rename ce que vous voulez. Du coup, moi, je vais mettre Discord en minuscule. Ensuite, vous allez créer un dossier avec un nouveau dossier, un fichier texte main. Et du coup, vous pouvez voir que le M il sera majuscule et non minuscule, sinon ça ne fonctionnera pas. Du coup, vous avez totalement tout votre squelette. Du coup, maintenant, on va passer au côté codage. Du coup, vous allez lancer PHP Storm. Donc, n'importe quelle version, craquée ou pas, c'est pas grave. Du coup, quand vous allez arriver, vous allez voir que ça a été écrit .txt. Du coup, vous allez faire un clic droit, vous allez écrire, vous allez dans Refactoren, Rename, et vous allez changer, effacer le .txt pour mettre .php. Du coup, il y a... Ah non, pas PHP, désolé, je me trompais. C'est .yml. Du coup, il y a plusieurs des développeurs qui vont me dire « Oui, mais tu peux techniquement faire ça ou par de base, le truc. » Eh ben, moi, ça fonctionne pas, malheureusement. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais bon, moi, je peux faire ça comme ça. Du coup, quand vous avez vos dossiers de fait, donc, n'oubliez pas que tout ce qu'il y a dans le CRC, c'est en PHP, et tout ce qui est en dehors du CRC, c'est en plugin.yml. Donc, le plugin.yml, c'est en YML, et le ressource, donc, le config, c'est en YML. Du coup, je vais expliquer un petit peu la base. Donc, le plugin. Du coup, dans le plugin, vous allez nommer votre plugin, parce que si le plugin, il n'y a pas de nom, c'est un petit peu con. Du coup, le plugin, c'est un peu comme votre passeport pour votre plugin. Du coup, vous avez le nom du plugin. Donc, nous, le nom du plugin, c'est Discord. Donc, on va le rename Discord. Ensuite, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez mettre le nom le créateur du plugin qui va. Moi, je fais exactement le même tuto que Xerox. Comme ça, au moins, ça sera exactement. Donc, Xerox, sur la vidéo, tu dis que c'est le même code. C'est normal. Je prends vraiment la même vidéo que toi pour bien expliquer. Du coup, vous mettez le nom que vous voulez. Donc, moi, du coup, moi, c'est BabyGirlLike, mon nom. Du coup, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, vous avez la version du plugin. Donc, la version du plugin, vous allez me demander pourquoi. Parce que la version du plugin, en gros, c'est important. Parce que si vous voulez le mettre sur Pluggit ou que vous faites une nouvelle mise à jour de votre plugin, du coup, vous pouvez changer. Donc, ce qui fait en sorte à ce que ça peut aider les gens à ce que, exemple, s'il y a une nouvelle mise à jour sur votre plugin, bah, vous pouvez mettre 1.0.1 ou 1.0.2 ou bref, vraiment à la suite que vous voulez. Ensuite, très important, ce tuto est fait pour les plugins en PM4 et non en PM3. Du coup, si vous voulez mettre en 3.0, vous allez simplement mettre 3.0. Si vous voulez que ça soit en PM4, vous allez mettre en PM4. Ensuite, ce qui est très important, c'est le main. Donc le main, il y en a beaucoup qui se trompent. Mais voilà, du coup, c'est le chemin du CRC. Donc vous ne mettez pas CRC, vous allez mettre Discord et le main. Donc du coup, suivant, du coup, on va mettre Discord. Et vraiment, faut bien dans son graphe, on va mettre un anti-slash. Donc pas un slash, mais bien un anti-slash. Donc le slash à l'envers. Et vous allez mettre main exactement avec pareil. Du coup, ensuite, vous allez sauter d'une ligne jusqu'à la case 7 et vous allez écrire commande Discord usage. Donc, le usage, c'est pour dire que c'est la commande. Voilà. Ensuite, description. Donc, la description du plugin. Parce que sur Bedrock, il y a une description à tous les plugins. Du coup, ça sera écrit en bas. Là, du coup, on va mettre voir le Discord du serveur, exemple. Voilà, Discord du serveur avec une première information, exemple. Voilà. Du coup, vous pouvez voir que ici, ça a été écrit. Voilà. Ensuite, il faut une permission. Donc, la permission, ce qui va servir à soit mettre une permission privée, donc pour des personnes avec un grade, ou simplement une permission ouverte à tout le monde. Donc, nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut pas que la commande soit disponible que à une seule personne. Donc, on veut qu'elle soit disponible à tout le monde. Du coup, nous, on va renamer. Donc, vous pouvez renamer n'importe comment la réponse. Donc, vous pouvez mettre eggs, CMD, tout ce que vous voulez. Moi, je vais mettre CMD, comme dans le tuto de Xerox. Voilà. Vraiment bien pour vous expliquer. Du coup, ensuite, vous allez mettre permission, donc comme ça, avec un S. Oubliez pas le S à permission. Du coup, vous allez mettre discord.cmd. Ensuite, du coup, vous allez mettre default et vous allez simplement donc default, c'est pour dire si la commande est disponible à tout le monde ou pas. Du coup, on va mettre oui parce
qu'on veut. Carrément, en anglais, true, ça veut dire oui. Et false, ça veut dire non. Parce que dès que quand on va disponible, vous mettez false. Voilà. Ensuite, du coup, on a fait le passeport. Du coup, on va réécrire. Le name, c'est le nom du plugin. L'auteur, c'est pas obligé, mais c'est le nom de l'auteur. La version pour dire quelle est la version du plugin. L'API pour savoir en quelle version il est. Ensuite, le Discord. La commande. Le Discord. Le usage du site Discord. La description. La permission. La permission. Et pour voir si la donnée est fait à tout le monde. Du coup, ensuite, on va aller sur le code. Parce que voilà, on va aller sur le code. Alors, c'est parti. Étape 1 pour le code, c'est très très simple. Vraiment, c'est un truc de malade. C'est très simple, c'est ce code-là. Du coup, je vais vous expliquer vraiment en gros et clair. Du coup, vous allez mettre simplement le symbole comme ça. Donc, quand, exemple, on fait des flèches, bah, du coup, vous mettez ce symbole-là. Du coup, vous mettez ça comme ça. Hop là. Si vous n'avez pas, petite astuce, si vous n'avez pas les touches et les trucs que moi je vais mettre sur cette vidéo, vous pouvez maintenir la touche Windows et point, et vous allez simplement avoir les symboles avec tous les trucs ici disponibles. Donc, vous pouvez chercher, exemple, le symbole qui est là, vous pouvez chercher si vous n'êtes pas capable de le faire. Ensuite, très important, alors le namespace. Donc, le namespace, c'est beaucoup pour vous repérer dans. Bah, en fait, c'est pour repérer que le main est relié voilà, à ça. Donc, voilà, exemple que tu as. C'est très important de mettre. Mais si c'est pas ça, malheureusement, les fichiers ne vont pas se retrouver. Du coup, vous mettez exactement le même nom que vous avez mis en haut. Moi, du coup, c'est Discord. Et vous allez mettre des trucs comme ça. Du coup, vous allez demander pourquoi vous mettez ça et non un point ou pas un espace. Du coup, j'explique. Dans le PHP, donc dans le PNP4, pour terminer les textes, c'est pas des points, mais c'est des trucs comme ça. Donc un point virgule pour terminer le texte, pour dire que le texte est défini. Ensuite, on va mettre les us, donc les us PocketMine. Donc on recherche les trucs disponibles dans l'API, un anti-cache, commande et commande encore une fois. N'oubliez pas de mettre le point virgule. Ensuite, vous écrivez la même chose. Donc use. Ensuite, on va mettre commande. Commande sender. Voilà. Ensuite, vous mettez encore la même chose. Donc ça peut être vraiment très très long, mais bon, en vrai, ça va. Online anti-slash. Ah, je me suis trompé. Ah non, je me suis trompé. Event. Parce que du coup, on crée un événement qui va s'appeler listener. Comme ça. Ensuite, use pocket mine. Player et player. Oula, attendez. Et player. En fait, je vais vous donner une petite astuce. Dans tous les codes, après le usePocketMine, le premier ligne qui est là sera toujours en minuscule et le dernier sera en majuscule. Ça, c'est un truc que je vais vous dire. Le premier après PocketMine, il va toujours être en minuscule et après, ainsi de suite, va être en majuscule. Ensuite, très important, ce code-là, il va être partout, 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 partout dans tous les plugins que vous allez faire. Donc, ça dépend en vrai dans quel contexte, mais moi je mets pas mal partout. C'est le plugin base. Donc, le plugin base, c'est pour dire à la console que ceci est un plugin si je me trompe pas. Du coup, on va continuer avec class main extended plugin base implement. Oula, attendez. Implement listener. Et vous allez simplement, moi vu que je sais pas comment faire ça, sur mon clavier, je vais simplement chercher ici la touche. Voilà. Du coup, moi je vais ici. Hop là. Du coup, vous pouvez voir que, alors, la classe, une classe, c'est quoi? Une classe, c'est pour créer. Non, c'est pas comme sur le Call of Duty, mais ça ressemble pas à ça. Exemple, vous allez sur Amazon et que vous allez voir, exemple, une catégorie. Et ben, il y aurait une catégorie vêtements, une catégorie jeux vidéo, une catégorie bijoux. Et ben, une classe, c'est ça. On crée une nouvelle catégorie disponible pour simplement la commande. Voilà. Alors, ensuite, public, fonction, onEnable. Donc ça c'est important parce que dans la version de PocketMine 4, on met ça. Mais dans la version de PM3, on ne met pas ça habituellement. Donc, sur ça, je dis vraiment que le tuto il est que pour du PM4 et non du PM3. Ensuite, ici, vous allez mettre 10. Donc 10, ça veut dire ceci. Donc tout ce qui va faire une commande va bah, tout en fait ce qui va exécuter quelque chose va commencer par 10 pour dire c'est comme si on dirait va faire ci, va faire ça, c'est la même chose. Donc ensuite nous on va simplement faire en sorte à ce que dans que le ce truc-là cherche la console pour envoyer un message en disant le plugin slash Discord a été
fait pour un tuto YouTube. Voilà. Du coup, à la fin, vous n'oubliez pas de mettre le T slash comme ça. Le T au point slash. Vous mettez l'inverse, donc l'inverse de celui-là, ici. Alors, ensuite, vous sautez de deux lignes. Donc là, du coup, on est à 18. Ensuite, on va mettre public fonction. Oula. Fonction on commande. Et il faut bien écrire comme j'ai écrit. Alors, ensuite, ne me perdez pas de vue. Commande sender. Dollar sender. Commande, dollar commande, virgule string, dollar label, tiret, array, dollar arg. Voilà. Du coup, vous avez vraiment tous les trucs. Ensuite, vous mettez deux points et vous écrivez bol. Voilà. Du coup, vous avez ça. Du coup, c'est tous les plugins qui vont vous demander une commande, bon, pour créer une commande, exemple, vous voulez faire un slash maintenance mode et que vous voulez, comme que j'ai fait, moi, du coup, dans playing maintenance mode, j'ai mis ce code-là parce que, du coup, c'est pour créer une commande. Donc, donc tout ça, ce code-là, c'est pour créer une commande. Des fois, à place de commande, ça a été créé CMD, mais voilà, ça, c'est un peu, ça, c'est un autre truc. Moi, je fais vraiment de base, comme le tuto. Du coup, vous pouvez voir que ici, c'est des fonctions, et du coup, ce code-là, c'est pour créer une fonction. Bah, pour créer une commande, vous préférez. Du coup, voilà. Ensuite, on va mettre le petit slash comme ça. Et du coup, là, on va simplement créer la commande. Donc, on va écrire commande name égale dollar commande égale get name deux fois. Et voilà. Du coup, ensuite, vous mettez ça comme ça, le point virgule. Ensuite, if dollar commande name égale égale en parenthèse discord. Là, du coup, ça, c'est le nom de la commande pour créer une game, la commande commande. Ensuite, vous mettez la slash comme ça. Voilà. Ensuite, vous mettez if dollar sender. Voilà. Instance of player avec le P majuscule. Et vous mettez ça comme ça. Ensuite, vous allez mettre dollar. Oula. Dollar. Non. Dollar. Oui. Trop, je galère. Dollar sender. Tiret. Ça, du coup, ce code-là, c'est pour envoyer un message. Donc, send message. Ensuite, on va écrire le message in-game. Donc, voilà. Non, attends, on va écrire... voici le lien du serveur Discord. Moi, je vais mettre mon serveur Discord. Par contre, si vous voulez rejoindre, les gars, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre à fond. Du coup, moi, j'ouvre Discord. Donc, là, du coup, vous pouvez voir tous mes messages privés. Attends, je vais dans Accusa. Et donc, moi je vais là, je vais dans inviter des gens et je vais simplement dans copier le bouton, ne se dire jamais. Voilà, du coup, si vous voulez rejoindre en même temps, il y a Accusa, c'est un serveur qui va devenir un serveur PVP faction Vania. C'est les rejoindre le serveur, les gars, avec plaisir. Il est là, lien, il sera toujours utilisable. Voilà, du coup, vous avez ensuite à la fin, vous mettez un point virgule comme ça. Ensuite, pour terminer, vous allez prendre exactement le même code qu'ici, bah, le même truc, et vous allez fermer les parenthèses. Ça, du coup, il y en a beaucoup qui se trompent, et je vous conseille un truc, regardez la ligne et vous fermez. Voilà. Ensuite, ici, vous écrivez return true. Donc, return true va servir en sorte à ce que quand vous exécutez ça sur Discord, le lien se met et ça arrête le code. Pas que ça continue, ça continue, ça continue. Donc, voilà. Ensuite, vous avez terminé le plugin. Donc, le plugin, il est terminé. Là, il est terminé. Du coup, quand vous avez terminé, vous allez simplement refermer tous les dossiers. Ensuite, vous allez aller dans le plugin. Vous allez faire clic droit, nouveau, archiver en tant que WinRAR archived. Moi, je conseille installer WinRAR parce que c'est toujours intéressant. Installer WinRAR, il y a des versions gratuites. Vous écrivez sur Google ou sur Microsoft Edge comment installer WinRAR gratuit et vous allez simplement avoir WinRAR avec la version payante. Voilà. Du coup, vous écrivez le nom du plugin. Donc, moi, du coup, c'est Discord. Discord. Ah merde, j'ai mal écrit Discord, désolé. Discord, voilà. Ensuite, vous allez le glisser, le fichier, dans le fichier là-dedans. Du coup, vous allez aller sur vos consoles. Moi, je vais aller dans ma console à partir de Google Chrome. Donc, on va aller sur Apple My Server et on va simplement aller dans notre console Accusa. Ensuite, dans Accusa, vous allez aller dans votre plugin. Faudra, un très important, d'avoir le plugin PocketMine DevTool, DevTool très important par contre.
Upload, Discord, vous allez sur le plugin Discord, vous allez faire .onarchivade, supprimer le fichier .zip, ce que je vous conseille. Ensuite, vous allez voir que vous allez avoir le Discord qui est là. Du coup, si vous voulez modifier un truc et que vous ne savez pas comment faire, vous allez dans le plugin Discord, dans le CRC, Discord Main, et vous allez voir que vous pouvez changer le lien. Voilà. Ensuite, vous allez dans Restart, et si tout va bien, votre plugin devrait être bon. Ça se peut que vous faites une erreur par-ci par-là, mais bon, sans vrai, ça se passe. Vous pouvez voir que ici, si je vais voir dans les logs, vous pouvez voir que le plugin Discord a bien été activé. Du coup, si je vais trouver un trois petits points, que j'ouvre Minecraft Bedrock. Oui, moi, oui, j'ai une version craquée de Minecraft Bedrock, c'est une longue histoire, parce que j'ai pas assez de dosé pour acheter Minecraft normal. Du coup, vous pouvez voir que si je vais sur le serveur, donc je vais même vous montrer que ça marche. Voilà, sur le serveur, hop là, jouer, serveur. Et vous allez dans Accusa, moi c'est dans Accusa mon serveur, donc l'IP accusa.ccpe.eu, n'hésitez pas à vous connecter. Ensuite, quand vous êtes sur le serveur, vous pouvez voir que là du coup, si vous faites un slash PL dans le plugin, vous allez voir que ça a été écrit Discord qui sera affiché juste ici. C'est une Discord affichée juste ici. Et du coup, si vous faites un slash Discord dans le chat, ça a été écrit voici le lien du serveur Discord. Donc voilà, j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Je vais en apprendre d'autres. Je pense que je vais vous apprendre aussi à faire tout ce qui est feed, id et tout ça. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à liker et bah non, ça, les commentaires sont désactivés, fait chier. Donc n'hésitez pas à juste liker et puis j'espère vous avoir aidé. Et puis on se verra pour un prochain vidéo tuto. Donc ciao ciao. Ah là 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 là. En vrai, de vrai, de vrai. J'espère vous avoir aidé, mais bon.